Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Game Boy, la toute première Game Boy. Donc on est en 1991 avec ce jeu que beaucoup de gens, je suis sûr, ont eu. Donc qui était avant tout le jeu des fans de Tortue Ninja à l'époque, qui était vraiment un dessin animé que beaucoup de personnes adoraient. Et aussi, accessoirement, un excellent jeu. Donc vous avez vu, on a le choix entre les 4 tortues, donc ce qui est pas mal du tout. Et on a surtout le choix des niveaux. Regardez les graphismes, c'est quand même assez joli pour l'époque. Les sprites sont assez grands. Votre énergie en bas. Les points en bas à droite, ça sert à rien, absolument rien du tout. Donc le saut, voilà, le saut, le coup de pied sauté. Et quand on est abaissé, on peut lancer des shurikens. C'est toujours pratique. Alors je vais vous montrer, il y a quelques passages secrets qui permet d'accéder à des petits bonus. Alors, c'est des tonneaux comme ça explosés par exemple. Donc en fait le principe est simple. Vous avez donc les 4 tortues pour terminer le jeu, c'est comme si vous aviez 4 vies. Quand vous mourrez, votre tortue est capturée en fait. Et donc, il vous reste plus que le choix des dernières. Donc il vaut mieux commencer par les tortues avec une arme qui est la moins pratique, comme Raffaello par exemple. Par exemple, Donatello est beaucoup plus pratique avec son bâton qui tape beaucoup plus loin. Alors comme vous pouvez voir, les niveaux sont découpés en plusieurs sous-chapitres en fait. Ils sont quand même assez longs. Le jeu n'est pas très très difficile, hein, surtout que vous pouvez lancer le cinquième niveau et terminer le jeu comme ça avec 4 vies. Mais en tout cas, c'était vraiment un jeu sympa de la Game Boy. Il faut dire qu'il y avait tellement de dobs qui sortaient que ce jeu-là était vraiment vraiment bien foutu. Alors je vais essayer de vous montrer, d'un moment il y a un passage secret sur ce niveau-là, regardez, c'est ici. Alors de mémoire, hein, écoutez, ça fait des lustres que je n'ai plus joué à ce jeu. Voilà, c'est un passage secret. Donc avec le roi Splinter, je crois. Soit Splinter le roi. Alors à l'époque, je comprenais absolument rien au jeu parce que je parlais pas du tout anglais. En fait, il faut qu'il en reste. Je vais en prendre qu'un, j'ai gagné normalement. Il va en prendre. Oh non, j'ai perdu. Il a pris les 3 derniers. En fait, le but c'est de lui laisser les. Donc l'ennemi qu'on a vu, c'est Crank. Enfin, il me semble. Il y a tous les boss du jeu, hein, c'est-à-dire le sort de Rhino. Il y a Crank et le boss final, bien sûr, c'est Shredder, le grand méchant. Alors, je vais essayer de terminer ce niveau-là. Alors, on retourne dans la ville. Vous avez vu les musiques qui sont vraiment assez fidèles au thème des Tortues Ninja. Donc l'énergie, bien sûr, c'est les pizzas. Et donc le jeu va se corser, plus vous allez avancer dans les niveaux. Vous avez vraiment des niveaux sympas. Non, c'est vraiment un bon jeu. Un bon jeu Game Boy, bien sûr, aujourd'hui ça n'a pas grand intérêt, mais je pense que vous. Ceux qui ont connu ce jeu à l'époque de sa sortie en 91, je vous l'ai dit, bah, retrouveront cette vidéo avec plaisir. Puisque je pense pas qu'on puisse être déçus de ce jeu, qui était vraiment bien foutu. Et puis qui était fidèle aussi à la série, puisqu'on achetait avant tout ce jeu pour les Tortues Ninja, plus que pour le jeu en lui-même. Hein. Faut voir, c'est pas bien dur pour le moment, mais après ça score sérieusement. Alors le niveau est terminé. Voilà, on retourne dans les égouts. Donc je vais quitter et puis je vais vous mettre un autre niveau, une autre tortue facile pour le deuxième niveau, avec une musique encore différente. Donc j'ai pris Donatello avec son bâton qui se plie pratique. Alors il me semble qu'il y a encore un passage secret sur un des piliers comme ça, il faut pas bouger, il me semble, enfin je lui sais vraiment de mémoire. J'essaie d'aller le plus vite possible. J'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, je vous laisse
je vous laisse voir les images. Un jeu avec un scénario absolument extraordinaire, vous l'avez vu dans l'intro, c'est April O'Neil qui est une fois de plus capturé dans l'épisode sur Game Boy, sur Super Nintendo et Mega Drive, enfin surtout l'épisode Super Nintendo qui était très proche de la borne d'arcade. C'était la tour Eiffel, la statue de la liberté qui avait disparu en direct à la télé. Et donc il fallait passer à la reprise. Vous vous souvenez hein, de cet épisode, j'ai d'en faire une vidéo à l'occasion. Avec ces fameuses utilisations du mode 7 avec les ennemis qui étaient projetés en zoom sur l'écran. Non, je pensais qu'il y avait un secret là. Donc il était projeté en zoom mais il n'y avait pas bien sûr sur la Mega Drive. Hein. Version Super Nintendo qui était très proche de la version arcade. Sauf que en version arcade on pouvait jouer à 4. Là c'est Super Nintendo, c'était limité à 2. Enfin je dis ça de mémoire parce que moi la Super Nintendo j'avais la Mega Drive donc alors vous avez vu là je suis dans le rouge. Alors, je risquerais de me capturer ma tortue. Ah bah voilà. Bah, vous l'avez vu comme ça. J'ai un personnage de capturer. On va devoir enchaîner avec un autre. Donc Raphaël. Hop. Comme ça vous en aurez vu deux. Voilà. Donc terminer quand même le jeu d'une seule traite avec 4 vies, c'est quand même des fois assez chaud. Surtout sur les derniers niveaux en fait. Donc je vais quitter, puis je vais vous montrer le troisième niveau. A tout de suite. Vraiment bien foutu, vous êtes sur un camion, vous devez remonter en fait. Alors vous avez un petit scrolling. Les ennemis sont un peu crétins. J'avais voulu montrer plus de mini-jeux, mais je me souviens plus trop des passages secrets. J'essaie de me dépêcher, bien sûr, je me fais toucher beaucoup plus qu'en temps normal. Alors après, vous n'avez pas que ces ennemis-là. Après, vous avez aussi les fameux robots qui vous électrocutent, là, comme on voit, qui sont beaucoup plus difficiles à tuer, puisqu'il faut toucher deux fois. Dépêcher un maximum, peu importe si je me fais capturer ou pas, on s'en fiche, de toute façon le but c'est de vous envoyer un maximum. Voilà la pizza toi. Hop. Alors ah bah oui d'ailleurs c'est le premier boss de la version Super Nintendo Mega Drive hein. Vous vous souvenez de ce monstre, vous avez son énergie qui est en haut. Voilà, je suis capturé, mais peu importe, on va essayer de le battre. Je sais plus ce qui se passe quand on les bat. Alors, est-ce qu'il va me relancer au boss ou est-ce qu'il va me... Oui, bon, alors ça devrait pas être très dur. On va se dépêcher un max. Hop. Mortus. Donc on est arrivé au niveau 4, puisque là c'était le 3. Donc toujours une petite image sympa entre les niveaux. Donc vraiment un jeu pour les fans à l'époque de Tortue Ninja, qui avait été bien accueilli par l'accueil critique de la presse spécialisée. Alors on arrive dans une sorte de rivière. Il n'est pas évident ce niveau-là, mais écoutez les musiques qui sont vraiment bien foutues pour de la Game Boy toujours. Hein. Voilà. Bon, alors on va se laisser là-dessus. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Petit détail, j'ai oublié de vous montrer la cartouche que j'ai encore à la maison. La fameuse cartouche Game Boy. Voilà.
Cette fois-ci, c'est tout. À la prochaine, salut.